Vincent Visek, du Mazagamas à la Gamas. Alors, le premier millésime, c'est 2009, avec une petite partie de la propriété qui était sortie de la cave coopérative. Alors, l'origine d'un domaine Mazagamas, c'est l'ancien nom du pâté de maison, de là où on se trouve, donc du centre du village de la Gamas. La Gamas étant le nom de la petite rivière qui coule, qui est un affluent de l'Hérault. L'histoire du domaine. Au départ, mes parents ont repris chacun de leur côté des vignes familiales, avec des petites superficies, et qu'ils ont, au fur et à mesure des opportunités et des fermages qu'ils ont pu prendre, fait grossir la propriété jusqu'à une quinzaine d'hectares à la fin des années 2090, pardon. Et après, l'histoire, c'est que en étant œnologue de formation, moi, j'ai voulu reprendre la propriété familiale et officiellement, je l'ai reprise en 2015. Le métier de vigneron, je l'ai d'abord appris avec mon père qui m'a amené à la vigne avec lui le mercredi quand j'avais le temps libre, que je n'étais pas à l'école. Donc ça, c'est déjà une introduction, on va dire, déjà depuis tout petit. Et après, de par mon métier d'œnologue, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans beaucoup d'endroits différents, de propriétés différentes, et à la fin c'est devenu une évidence de venir retrouver le patrimoine familial et essayer de mettre en valeur le travail des autres générations. La cuvée exposante, c'est la cuvée Nostre Mescalis, qui en occitan veut dire notre mélange, qui est la cuvée la plus représentative du domaine, qui est en terrasse du Larzac et qui est l'assemblage de tous nos cépages rouges que l'on a, donc Grenache, Carignan, Syrah, Mourvèdre et bientôt un petit peu de Cinsault. Voilà, un vin qui convient à toutes les saisons et voilà, c'est ce qui reflète le mieux notre image en fait. Voilà.